Bon, aujourd'hui c'est la veille du départ et je prépare la moto pour le road trip. Donc ce que je prévois de faire, c'est de nettoyer un peu certaines pièces, lubrifier la chaîne, ajuster la pression des pneus, enfin tout un tas de trucs. Et là je me suis acheté quelques petits trucs, du kérosène, une brosse et des gants pour faire un peu tout ça ce matin. Et ouais, on va s'occuper de la moto et commencer à voir comment on va emballer tout ça. Et demain on part quoi. Bon, je te l'ai déjà dit, mais je flippe ma race, donc tranquille quoi. Voilà. Donc l'idée là, c'est de changer en fait, enfin pas de changer, mais de lubrifier la chaîne qui se trouve ici. Normalement je devrais regarder si je dois la retendre, mais le gars qui me l'a vendu, enfin on l'avait fait tous les deux en fait, et elle était déjà bien tendue. Donc là en fait il faut qu'il y ait du jeu sur la chaîne, et il m'a dit mieux vaut qu'il y en ait trop que pas assez, il vaut mieux qu'elle soit plus souple que trop raide, tu vois ce que je veux dire. Sachant que en plus je vais charger la moto à balle, tu vois, donc tout ça, ça va tendre la chaîne, donc je préfère pas trop y toucher. Et puis bon, là c'est vrai que j'ai pas trop les outils. Normalement il faut que quelqu'un, enfin il faut être assis, il faut que la moto soit chargée en fait pour vérifier la tension de la chaîne. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tout ça là, toute cette merde, tu vois, et la relubrifier juste avant de partir, tu vois. Là il y a tout un amas de graisse un peu, donc je vais nettoyer tout ça et je vais la nettoyer et je vais la relubrifier. Bon, c'est là que tout commence vraiment, comme tu peux le voir. Alors là, je suis en train d'utiliser une technique pour soulever la moto, sachant qu'il n'y a pas de béquille centrale. Le mec qui me l'a vendu m'a montré une technique que je pouvais utiliser pour soulever la moto avec n'importe quel petit bout de bois ou truc un peu long. Il s'agit en fait d'utiliser comme une cale et de la pencher sur la roue avant pour tout ce qui est graissage, lubrification, tout ce qui concerne la roue arrière en fait. Et c'est ça que j'ai utilisé pour la plupart de mes interventions pendant mon road trip. Admire un peu. Bon, je pense que là on n'est pas trop mal, tu vois, je viens de finir de la lubrifier, je l'ai un peu nettoyée aussi, genre bien, tu vois. Bon, ça c'est un peu dégueu du coup, mais si elle est bien lubrifiée, bien nettoyée, c'est que t'as l'impression qu'elle ait un air de mouillé, tu vois, qu'elle ait un air de mouillé et qu'elle brille un peu, qu'elle scintille, comme ça, ça montre qu'elle est vraiment bien lubrifiée et bien, enfin, tu vois, elle est plutôt clean là, ouais. Donc ça, c'est pas trop mal. Après, vraiment, je me tâte, je sais pas si je dois retendre la chaîne, parce que j'ai regardé un peu au niveau de la tension, ça m'a l'air pas trop mal. C'est juste que je sais que je vais être chargé, du coup j'ai pas non plus envie de trop l'attendre, parce que si tu l'attends trop, c'est pire que si tu l'attends pas assez, tu vois. J'ai mis un peu de temps à mettre à tout emballer, je t'avoue, peut-être la peur. J'ai vraiment eu du mal à m'y mettre, la quantité de bagages qu'il fallait que j'amène avec moi. C'était vraiment très effrayant, je savais pas du tout comment est-ce que ça allait rentrer sur la moto, comment j'allais caler tout ça quoi. 14 heures passées, Jérôme qui était juste à côté de moi me regarde et me dit « Bon, c'est quand que tu t'y mets ?» Et c'est là que je m'y suis mis. Je dis au revoir à Jérôme, je vais à la prochaine station essence, je fais le plein et je pars. Du coup, je suis direct passé sur la Great Ocean Road. C'était le road trip que j'avais fait avec Nico un peu plus tôt, tu te souviens, pour le nouvel an. Mais cette fois-ci, c'était en moto. Quelle fierté de savoir que ce que je faisais en moto là, c'était ce que j'avais fait 3 mois plus tôt en van avec Nico. J'étais vraiment super content. Petite photo à la pluie. Bon, c'est le premier soir en camping, je viens juste d'arriver là et j'ai déjà mes voisins qui m'ont donné genre 3 boîtes de sushis. Bon, elles sont à l'intérieur, je peux pas te les montrer, mais 3 boîtes de sushis genre frais, tu vois. Et j'ai un peu galéré à trouver le camping parce que mine de rien, j'ai dû sortir de la route et du coup je suis tombé sur une route de gravillon, tu vois. Mais ça allait, la moto est pas trop galéré. Par contre le poids, rien à voir avec ce que j'ai acheté tout à l'heure quoi. Mais pour l'instant voilà, je suis heureux, tu vois. Et c'était vrai, j'étais heureux. Mais j'avais peur aussi. C'était vraiment la première fois que je partais comme ça en moto, dans rien, sans aucun plan, sans aucune idée de ce que c'était. Et s'il m'arrivait un truc sur la route, j'étais flippé total. Le truc que je savais pas, c'était que le lendemain, j'allais affronter une de mes plus grandes peurs sur la moto, la pluie. Mais ça, c'était pour demain.